tout le monde, c'est Phoenix43, on se retrouve donc aujourd'hui donc pour le second épisode de notre let's play sur PC Building Simulator. J'espère que vous allez bien, moi ça super. Donc aujourd'hui on va encore faire trois réparations. Donc bonjour, je donne mon PC à ma fille, elle a besoin apparemment de beaucoup de RAM. Elle dit qu'il lui faut 16 Go de RAM. Et j'ai actuellement des logements de 2 Go de RAM et de 4 Go de RAM sur ma carte mère. On améliore donc jusqu'à 16 Go. Ok, on accepte déjà ça. On va aller prendre ça. On va prendre deux RAM de 8. Donc, je vais me dire 2 et 4, ça fait déjà 6. Donc il a déjà 6 Go, donc il faudrait encore 10 Go. Non mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que on va prendre 3 barrettes de 4. Je vais dire pourquoi, mais parce qu'on va enlever celle de 2, on va garder celle de 4, donc on pourra en mettre encore 3. Voilà, PC chaud et cassé. Salut, je ne m'y connais pas beaucoup en PC, mais le mien ne fonctionne pas correctement. Il surchauffe depuis quelques temps et marche de plus en plus ralenti. Et j'ai l'impression de ne plus entendre le ventilateur. Il se trouve sur le sol de mon bureau poussiéreux. Ok, donc faut remplacer la pièce refroidisseur par air et il faut retirer la poussière. Ok, donc on revient ici, refroidissement, on va prendre lui. Ok, ou voilà, et à l'aide vide il faut supprimer les virus. Ok, comme ça on peut supprimer. On va aller au panier, hop, voilà, tac, on peut quitter l'ordinateur. En train de laguer à un truc de malade sur le jeu. Je pense à une ma carte graphique qui est pas assez compétente. Allez, hop, on quitte l'atelier. Tac. Désolé pour ça. Allez. Oh. Ok. On va au travail. C'est parti. Alors déjà on va récupérer tout notre matos. Voilà. Et on va prendre du... Ça c'est des 16 Go. Donc c'est parti. Tac. On va travailler sur ce PC, on va retirer ça. Pas d'où la boîte de 2. Il avait pas dit qu'il y avait 2 et 4 giga. Je me suis enflé. Je me suis fait avoir. Moi je pensais qu'il avait 6 giga de RAM déjà. Mince. Tant pis, on se débrouillera. Voilà, déjà une. On se débrouillera. Tac, tac. Hop. On va déjà rajouter toutes celles qu'on a. Voilà. Tac. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais aller recommander une barrette de RAM que je vais faire livrer immédiatement. Ça va me coûter un peu. Mais bon, c'est pas grave, il me la faut. Boutique, mémoire, 4 Go. Hop, immédiatement, voilà, tac. Voilà, donc normalement elle doit être arrivée. Hop, parfait, elle est là. Voilà, on a eu la barrette qu'il nous fallait. Et on vient l'installer directement. Ça lag. Hop. Voilà, donc il y a 16 Go. On va faire tous les branchements pour dire que ça démarre. Hop. Hop.
respecter. On remet le panneau littéral. Parfait. Et celle-là, on pourra la laisser à côté de la porte. Hop. Donc celle-là, on l'a faite. Voilà. Hop, on passe à la suivante qui est préparée. Ok. Le refroidisseur. Le ventilateur. Hop, allez, on est parti. Tac. Alors déjà, on va retirer la poussière avant tout. Hop. Voilà, déjà ici, c'est bon. Le haut. Ok. Hop, on essaie d'en retirer le plus possible avant d'ouvrir. Voilà. Hop, allez, on retire ça. Tac. Hop, on reprend l'air comprimé. Hop, on enlève la poussière. C'est pas incroyable, les gens qui prennent pas soin de leur ordi. Hop. Ah, tu dois retirer de l'autre côté aussi, je crois. Hop. Tac. On reprend l'air comprimé et on souffle ici. Voilà. Hop, on va retirer ça. Voilà. Tac. C'est bien cassé au moment où on va remettre déjà de la pâte thermique. Avant d'oublier. Alors refroidissement. Ouais, il était bien cassé, donc on peut enlever. Hop. Voilà. On branche tous les câbles. Parfait. Tac. Ouais, je pense que chaque vidéo je ferai trois choses. Ça dépendra après. Donc à un moment faudra que je monte carrément des tours. Donc là ça prendra un peu plus de temps. Hop, on remet les façades. Je vais faire ça en même temps. Voilà. Hop. Tac, on met de l'autre côté. Hop, voilà. Parfait. Voilà, au moins, lui, il est prêt aussi à partir. Ça fait des petites vidéos détentes. C'est cool, moi j'aime bien. Je suis juste dégoûté que mon ordi rame avec ce jeu. Hop, voilà. Et le dernier, c'est les virus. Donc ça va être plus simple. Hop. Voilà. Hop, on met directement les câbles. Tac. Voilà. Toi, tu viens là. Et toi, tu viens tout en haut. Voilà. On installe directement la clé USB. Hop. Voilà. Tac. On allume l'ordi. Hop, on y vient dessus. On installe l'antivirus. Hop. On redémarre. Tout simplement. On a l'habitude maintenant de faire ça. Voilà. Et on nettoie. Et voilà. Donc ça, on va pouvoir le mettre à côté de la porte.
et ce sera, enfin qu'on va encaisser, puis ce sera déjà la fin. C'est des cours de vidéo hein, que je fais. Voilà. Et on va pour encaisser les sous-sous. Hop. Voilà. On encaisse et on encaisse. Et voilà. Donc on va pouvoir s'arrêter là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Et on se retrouve donc pour le prochain épisode. Allez, bye tout le monde.